Le café vert est la forme de stockage, de transport et de commercialisation du café jusqu'à ce qu'il parvienne au torréfacteur. La préparation du café vert en grains implique trois étapes successives élémentaires. L'élimination de la pulpe avec séparation des grains, le séchage, le nettoyage des grains secs pour éliminer les derniers résidus de pulpe. Généralement, la pulpe de la cerise de café est gaspillée, perdue. On n'utilise que les graines, les semences que nous connaissons en tant que grains de café. La drupe, nom scientifique de la cerise autour des graines, fait partie des déchets produits par l'exploitation caféière. Car pour produire le café tel que nous le connaissons, les grains doivent être séparés de la pulpe. Il existe deux méthodes différentes pour mener à bien cette opération, chacune visant un type de résultat différent au niveau du produit obtenu. Le café non lavé, appelé aussi café naturel, et le café lavé. Selon que ce processus se déroule avec ou sans apport d'eau, on distingue deux modes de traitement des cerises de café. La voie sèche ou la voie humide. La voie sèche ne nécessite pas de consommation d'eau, puisque les fruits récoltés sont mis à sécher tels quels sur le sol. Les cerises sont réparties sur des aires de séchage, sur une épaisseur de quelques centimètres. On laisse la chaleur solaire dessécher la pulpe. Progressivement, à mesure de l'évaporation de l'eau, la pectine disparaît. La pulpe sèche petit à petit, rétrécit, finit par se solidifier et l'on obtient ainsi le café en coque. Le processus va durer environ 3 semaines. Les cerises sont régulièrement brassées avec un râteau en bois pour que tous les grains puissent sécher harmonieusement. Le café en coque sera transféré dans une machine à décortiquer qui débarrassera la cerise de la pulpe durcie et de la parche pour aboutir au grain de café vert. En revanche, le système utilisé par voie humide est beaucoup plus coûteux en raison de ses exigences en matériel, en main-d'œuvre, en temps et en eau. Mais il donne de bien meilleurs résultats que la méthode sèche. Ces cafés lavés, issus de la méthode humide, sont les meilleurs cafés vendus sur le marché. Tous les cafés prestigieux sont traités ainsi, mais il faut savoir que ce travail fait appel à de grandes quantités d'eau. Il faut de l'eau pour le lavage, de l'eau pour le dépulpage, de l'eau pour le démucilage, c'est-à-dire la fermentation, et de l'eau pour le lavage final. Enfin, certaines fincas ou grosses exploitations caféières utilisent l'eau pour le transport de la pulpe vers une zone de stockage provisoire des déchets. Dans cette méthode de la voie humide, les cerises de café sont dépulpées dans les 12 heures maximum après la récolte afin de séparer la pulpe des grains. Ces grains ont encore leur mucilage, une petite peau sucrée enveloppant la graine de café. Dans les petites exploitations, les cerises récoltées sont d'abord trempées dans un bain d'eau afin d'éliminer les flottants de moindre qualité. On trie les grains véreux, atteints par la broca, le scolyte du café, et on retire les impuretés, les feuilles et les débris végétaux. Puis, ces cerises trempées passent dans un dépulpeur qui élimine mécaniquement, sur un disque ou un tambour, une grande partie de la peau et de la pulpe visqueuse qui entoure les grains. Cette opération de dépulpage permet aussi de séparer les 2 grains de café contenus dans la cerise. Chez les petits producteurs ou organisations de producteurs, les machines à dépulper sont relativement rudimentaires et elles peuvent être actionnées à la main ou par moteur. Dans les exploitations plus importantes, les machines à dépulper sont beaucoup plus grandes et complexes. Et elles peuvent être calibrées de diverses façons selon la qualité du café souhaité. Les fèves, encore en partie recouvertes de la pulpe, sont mises dans des bacs où elles vont fermenter, ce qui accélère le processus de désintégration de la pulpe. Et il faut encore laver ces grains de café abondamment après leur fermentation. Il leur restera ensuite à sécher afin de se débarrasser d'une fine peau, la parche. Pour cela, on les installe dehors au soleil pendant 1 dizaine de jours. Certaines fincas possèdent
outre des aires de séchage naturelles, des systèmes de tambours rotatifs chauffants qui permettent de pouvoir sécher le café par temps de pluie. Au bout d'une journée de travail, les stations de dépulpage produisent des volumes de pulpe très importants. Les déchets de l'opération sont alors évacués grâce à de puissants courants d'eau et, par un système de canaux, ces peaux et ces pulpes sont conduites jusqu'à un tas où elles sont stockées en attendant qu'on leur trouve une solution de recyclage. Dans d'autres bénéficios humides, les déchets de pulpe sont transportés par le biais d'une vis sans fin jusqu'à un terminal de compostage avant d'être utilisés en lombriculture pour la fabrication de vermicompost. Ces eaux usées, issues des opérations de traitement par voie humide, sont le plus souvent rejetées, sans traitement, dans les ruisseaux ou les rivières, contribuant ainsi à leur contamination. Les producteurs n'ont pas ou très peu conscience de cette atteinte environnementale et de ce gaspillage de la ressource en eau. Certains d'entre eux ne sont sensibilisés à cette question que depuis peu. Ce problème de l'eau reste donc un problème majeur, car c'est d'une grande consommation d'eau qu'il s'agit, et ce traitement post-récolte du café par voie humide est une source de pollution importante. Il a été évalué, par des études scientifiques, réalisées en Amérique centrale notamment, que le traitement du café via la voie humide représentait par kilo de café vert obtenu à travers les eaux de lavage et de dépulpage, une contamination équivalente à celle provoquée par 5 à 6 personnes adultes par jour. Dans un contexte environnemental où l'eau joue un rôle important parce qu'elle est une ressource rare, ces cafés lavés, presque toujours des arabica, ne sont pas sans interroger les consommateurs et les autres acteurs de la filière. Dans les filières bio, le contrôle des eaux usées est désormais imposé. Cette eau, nous la terminons de laver. Si, j'ai un pozo où se va. Là, se junta l'eau. Ici, se va llegar el aguamiel para que no se contamine el terreno. Este pozo es muy importante de hacer los socios orgánicos. ¿Por qué? Porque no se contamina el terreno, no se contamina el arroyo. Organización allá en el Mahamut como orgánico, es que si no le hacen este pozo, se va a poner su baja. Por eso, ¿por qué? Tenemos que obligación que hacer este pozo. Pour limiter la consommation d'eau, dans le cas de production plus importante ou d'associations de producteurs, des machines ont été mises au point. Elles sont utilisées déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. Elles permettent aujourd'hui de réduire très fortement la consommation totale en eau. Para beneficiar un kilo de café, se necesitan alrededor de 40 litros de agua. Y en este caso solamente va a estar alrededor de un litro y medio de agua. El proceso de fermentación puede durar 16, 20, 24 horas, mientras que aquí puede decir que es casi instantáneo. Dans certains cas très spécifiques, comme celui de la Finca Irlanda, dans le Soconusco, la depuración des eaux usées se fait par l'intermédiaire d'organismes végétaux. Este es un filtro de lirios. Este es un lirio pampeño de la parte baja, pero es muy, muy útil para filtrar agua. El lirio pampeño es algo que tiene mucha raíz. ¿No? Entonces, todas las aguas mieles que vienen después del despulpado del café bajan y él las captura. Y lo va haciendo sedimento, es un limo, es un abono. ¿Va? Nos va limpiando el agua y por flote está pasando a este lado. Ahí ve, mire cómo ya pasa el agua más limpia, ¿ya lo vio? Entonces tenemos dos, tenemos otro allá arriba, este, y se va el agua en un canal y se va por el cafetal y todo lo absorbe el suelo. Vuelve a salir más bajo, pero ya va el agua tratada, ya no hay filtrada. ¿Verdad? Plantas naturales. Con plantas naturales, exactamente. Aujourd'hui, et ce depuis plusieurs décennies,
Il existe des alternatives permettant de produire d'excellents cafés sans gaspiller l'eau. Mais il faudrait pouvoir accompagner certains producteurs pour leur faire prendre conscience que le lavage excessif, ou parfois même le double lavage, ne peut plus se faire de manière irresponsable. Del tratamiento de aguas se debe de ir mejorando en algunos aspectos, pero poco a poco hemos utilizado el agua que se utiliza para procesar el café. No solamente se le da un uso, sino que se da un recirculamiento dentro del beneficio de café. Es esa misma agua que te puede procesar cuatro partidas de café. Para no usar siempre agua nueva, agua nueva, agua nueva. Este beneficio de recirculación de agua, los antiguos beneficios de café, cuando llegaba la cereza del café y se despulpaba y se fermentaba, tomaban agua del río y solamente le daban una pasada, despulpaban, fermentaban y el residuo de agua pues se iba a un río, ¿no? Esta agua, en vez de irse al río, se recircula cuatro veces, a veces hasta cinco veces, y luego ya cuando queda, ya después de este proceso, ya pues disponemos de ella en el río, pero pues es un río que tiene muchas piedras y al llegar al océano pues ya se oxigena completamente y no hay ningún daño al ambiente. De nombreuses autres initiatives sont également possibles pour protéger la ressource en eau. Il faudrait notamment enseigner aux techniciens, aux responsables des stations de dépulpage, à ajuster les temps de trempage dans les cuves pour bien laisser fermenter le mucilage. Mieux sera effectuée cette fermentation et plus on réduira la quantité d'eau utilisée pour le lavage. Il faudrait encourager également la restructuration des installations afin de réduire la taille des bacs de fermentation qui sont la plupart du temps surdimensionnés car ils ont été construits à une époque où l'on traitait des volumes de café beaucoup plus importants. On pourrait également réduire la taille des canaux de circulation d'eau et favoriser le transfert de ces déchets de pulpe vers les réservoirs ou les tas de stockage en utilisant des vis sans fin à la place de l'eau. Enfin, les cafés de spécialité nous ont montré qu'il était possible d'introduire des procédés innovants à mi-chemin entre la voie humide et la voie sèche, tels que le mielage, el enmielado, qui est très important dans les régions où l'eau est rare, où son coût est inaccessible et où les caféiculteurs n'ont pas accès à de grandes stations de dépulpage-lavage. Pour parler de la qualité d'un café, on devrait faire entrer en ligne de compte toutes ces préoccupations environnementales et sociales qui font peut-être toute la différence.